Ici, on est sur une ERL, donc je suis seul associé avec deux salariés. L'exploitation compte à peu près 200-220 vaches laitières, 1 800 000 litres de lait à produire sur 140 hectares. Donc il y a autour de 25 hectares de céréales donc qui sont en partie autoconsommées par les vaches. C'est aléatoire, quoi. Ça dépend avant les maïs, il y a une possibilité de pâturer sur 60 hectares si on voulait. Et autrement, bon, on reste sur une vingtaine d'hectares pâturés, quoi. On a travaillé sur différents sujets déjà. On avait eu des intervenants qui ont évoqué la problématique du temps de travail. Et donc, on a pu comparer les temps de travail et où on passait notre temps, entre guillemets, sur notre exploitation. Et voilà, donc ce qui permet de voir aussi la différence entre des systèmes robots et des systèmes classiques, salles de traite. L'année dernière, on a mis en place 9 hectares de trèfle violet pur. Donc pour justement pallier à l'autonomie protéique, c'est une façon de diversifier les sources d'azote déjà. Et donc ça permet d'être un peu plus lactogène aussi et structurer davantage la ration. Donc ça a de multiples impacts en fait. Et le fait d'aller voir ailleurs, c'est aussi de savoir comment les gens travaillent avec le même produit que soi, mais ils peuvent l'utiliser d'une manière différente. L'esprit, c'est comment on fait pour avancer ensemble. C'est surtout ça en fait. Moi je le recommande forcément puisque je trouve que c'est important d'échanger. Et il faut éviter de mettre trop de filtres aussi lors de ces échanges, puisque le but n'est pas de juger, c'est de partager. Bienvenue au GAEC de Coëdenan. On est donc deux associés, moi et mon frère. Donc on a 120 vaches laitières et puis 185 hectares de SAU. Donc les vaches, on les fait sortir en période estivale sur 15 hectares de surface accessible à peu près, de pâture. Le groupe Dinalet, on est une dizaine de personnes. Et donc on communique de deux façons, une façon on va dire standard par mail où on envoie des invitations aux réunions et une autre façon par WhatsApp, on a un groupe WhatsApp et en fait ce qui permet aussi de communiquer tout, par exemple les analyses de fourrage qu'on va faire, aussi de communiquer ça au groupe, si on a une question on la pose directement sur le groupe, on a la réponse assez rapidement. L'autonomie protéique qui nous sert de fil conducteur. Il y a forcément autre chose, la conception des bâtiments, le système lisier, système fumier, les fosses, les genisses élevées sur place ou pas. Enfin, tout ça, en fait, on le voit, on prend des notes, on compare et on s'interroge en fait entre nous de savoir pourquoi tel choix, pourquoi pas d'autres choix. Je suis satisfait du groupe Dinalet. C'est vrai que je me répète, mais ça fait gagner une bonne ambiance. Ça permet de sortir un peu de son train-train quotidien du travail. Et ça permet d'avancer toujours dans la recherche du résultat le plus optimum possible.